Hey, comment allez-vous? Ça fait un bail que j'ai pas installé ma caméra et tout ça pour vous parler. J'espère que vous allez très très bien. Moi aujourd'hui, ça va. Je sais pas ce qui se passe dans mon quartier là, il y a beaucoup de bruit. Pourtant c'est un quartier qui est calme, bon à part les avions auxquels vous êtes habitués et les voisins qui tondent le gazon. D'ailleurs il y a quelqu'un qui tond son gazon là. Je suis tellement habituée que je m'en rends même plus compte. Bref, je voulais faire un petit point avec vous sur les plantes qui vont bien, les plantes qui poussent bien, les plantes qui sont toujours là. J'ai, vous savez, un petit peu tous les étés, vous savez, une espèce de folie de je veux me débarrasser de toutes mes plantes, recommencer à zéro. Et j'ai pas eu ça cet été. Et je pense que j'ai pas eu ça parce que je m'étais déjà débarrassée des plantes que je n'aimais plus. Et qui ne me procurait plus vraiment de plaisir ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai pas eu ça. Et là, je me sens vraiment, vraiment bien avec les plantes que j'ai. Je suis vraiment très contente. J'ai hâte de voir comment elles vont évoluer. Et je vais commencer d'abord par les plantes qui sont à l'extérieur parce que j'ai conscience en fait qu'il y a beaucoup de plantes que j'ai. D'ailleurs, que je ne mets pas à l'extérieur, que je pourrais, que je devrais. Mais il y a beaucoup de plantes que j'ai, enfin il y en a quelques-unes, qui sont vraiment heureuses à l'extérieur. Et je m'en rends compte parce que je commence déjà à avoir un pincement au cœur en me disant mince, je vais devoir les rentrer là au milieu de l'automne. Et ça me fait déjà mal parce que je vois à quel point les plantes sont heureuses, comme elles se portent bien, comme elles ont bien grandi. Elles me montrent en fait que l'extérieur c'est là où elles ont envie d'être en fait. Et du coup, ça me peine parce que je me dis, les pauvres, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il va pleuvoir dans une heure ou deux, quelque chose comme ça. Donc, le temps commence à changer déjà. C'est tristoun, mais que voulez-vous? Il va falloir que je le retrouve. Comme tous les ans, ça va être un peu, la bataille à l'intérieur de moi pour leur trouver le meilleur endroit, le plus ensoleillé, le moins froid, le plus pratique aussi pour pouvoir les arroser parce qu'il y en a certaines qui sont quand même assez balèzes, qui ont bien bien grandi. Et puis voilà, et je suis en train de me dire que l'année prochaine, je vais mettre encore plus de plantes d'intérieur à l'extérieur, sur le balcon et sur la terrasse, parce que la terrasse, est, même si elle n'est pas protégée, de toute façon le balcon non plus, hein, à part celles qui sont sur la table qui sont protégées par le parasol, le balcon n'est pas protégé du tout. Donc, je vais peut-être en mettre sur le patio. C'est une idée. Je pense notamment à ma Zizi que je voulais mettre dehors. En fait, je vous en ai parlé et en fait, je ne l'ai pas fait. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. C'est juste que j'ai oublié. Puis après, le temps a passé. Puis elle est restée là. Également, mes bégonias. Je n'ai mis qu'une seule bégonia dehors cette année, mais je mettrai toutes mes bégonias dehors l'année prochaine. Également, mes Tradescantia, je trouverai une bonne organisation pour qu'elles aient toute leur place et que ce soit aussi pas embêtant pour nous parce que je veux aussi que le balcon soit un espace où on puisse circuler. Et je trouve que là, maintenant, la façon dont j'ai déplacé certaines plantes et tout, ça me permet de pouvoir mieux circuler sur le balcon qu'au tout début du printemps, j'avais mis des choses un peu partout par terre. Laissez-moi vous montrer celle qui vraiment me parle et me dise « Écoute, mother, laisse-nous dehors s'il te plaît le plus possible. » Je ne sais pas avec laquelle commencer. Alors on va commencer avec le Ficus ambellata que j'ai eu du mal à mettre dehors, vous vous souvenez. J'avais un petit peu peur
Je me suis posé beaucoup de questions, ça m'a pris beaucoup de temps à me décider. Du coup, je ne l'ai pas mise dehors au printemps comme les autres, je l'ai mise dehors vraiment au début de l'été. Si je me souviens bien des dates, je pense que c'est à peu près au début de l'été. Il faut d'abord que je vous montre les feuilles qu'elle avait avant. Ça, c'est une feuille d'avant. C'est la seule feuille d'avant. Non, il y en a deux. Il y a celle-ci aussi. J'ai mis un espèce de support parce que j'ai l'impression qu'elle se cassait la figure. Mais regardez quand même les feuilles qu'elle m'a faites dehors. Tout ça, ce sont des nouvelles feuilles de l'extérieur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cette plante, elle est vraiment, vraiment faite pour être dehors. Elle est vraiment très, très heureuse. Regardez-moi celle-ci. Elle est vraiment très, très heureuse dehors. C'est absolument dingue. Alors par contre, elle n'aime pas le soleil direct parce qu'elle a tendance à avoir les feuilles qui crament très vite. Du coup, je l'ai laissée ici parce qu'elle est vraiment dans un coin qui est plus sombre. Mon balcon, il est orienté nord. Donc plus on est proche de la maison, plus c'est sombre. Plus on est de ce côté du balcon, plus c'est lumineux. Voilà. Donc, on va passer au ficus. Ces deux ficus-là, si vous vous souvenez bien, quand je vous ai fait le plan de tour, ça n'a rien à voir. Enfin, même pas. Je pense qu'il faut essayer de remonter vraiment au printemps quand j'ai commencé à faire la période de transition entre l'intérieur et l'extérieur. Ça n'a rien à voir. Ces deux ficus ont poussé d'une manière incroyable, sont vraiment très heureuses, me montrent qu'elles sont heureuses, il ou elle, bon bref, tous les jours. J'ai plein de nouvelles feuilles. Allez, allez, encore une nouvelle feuille, encore des nouvelles feuilles. Tous les jours, il y a une nouvelle feuille. Je suis dépassée et j'ai très peur de les mettre à l'intérieur, et spécialement celle-ci, parce que où est-ce que je vais la mettre? Elle n'était pas comme ça quand je l'ai mise dehors, je ne m'y attendais. Enfin, je savais qu'elle allait bien pousser, mais là, ça a dépassé mes attentes. Et celle-ci, elle est vraiment en plein soleil, hein, et elle ne crame pas. Comme vous pouvez voir, ces feuilles ne sont absolument pas cramées. Et même les feuilles en elles-mêmes, elles sont vraiment bien grandes. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Celle-ci, je pense que c'est celle qui a la poussée la plus spectaculaire. Parce que quand je l'ai mise dehors, elle arrivait ici. Et vous voyez que tout ça, ce sont des nouvelles feuilles. J'aime trop le mélange de couleurs un petit peu rougeâtre comme ça. C'est juste phénoménal. Cette plante, elle est superbe. Et puis, bon, par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle n'est pas hyper droite. Donc, il va falloir que je mette un espèce de bambou stick là pour juste la maintenir un petit peu droite. Celle-ci, c'est une abutilon, c'est ça le nom? Un abutilon qui fait des fleurs, des super jolies fleurs. D'ailleurs, il y en a une qui est tombée, la rose. Mais là, avec le vent, déjà premièrement, je pense qu'il faut que je rajoute du terreau par-dessus. Et avec le vent, elle a perdu toutes ses fleurs. Il y en a une là, je pense, qui va repousser. Les fleurs sont trop belles. Je vais essayer de vous mettre une photo de quand elle est vraiment bien fleurie. Si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, vous l'avez vu fleurie plusieurs fois. Si vous ne me suivez pas, ben, je vous mettrai un petit truc, un petit insert là, histoire d'eux. Alors, celui-ci, c'est un Begonia Thurstonii, c'est ça? C'est quoi le nom? Thurstonii. Et celui-ci, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Mais je suis contente parce qu'il a l'air d'aller vraiment bien. Regardez, il y a des nouvelles feuilles qui poussent là. Voilà, écoutez, mon challenge, c'est de faire fleurir ce bégonia parce que la personne à qui je l'ai acheté, j'avais acheté un événement où c'était des particuliers qui vendaient en fait des plantes. Et elle m'avait dit qu'elle n'a jamais pu faire fleurir cette plante. Du coup, ben, c'est mon challenge personnel de la faire fleurir un jour. Après, ici, j'ai des succulentes. Alors, les succulentes, honnêtement, si vous avez des succulentes, mettez-les dehors. Mettez-les dehors au printemps, gardez-les dehors en été. Ils adorent ça. Et ce qui est très étonnant avec les succulentes, c'est que autant je les mets dehors printemps-été, autant en hiver, mes succulentes sont en bas, il n'y a pas de chauffage, elles se portent aussi très très bien. Donc les succulentes, c'est vraiment des plantes qui sont hyper résistantes et vraiment résilientes parce qu'elles supportent les deux extrêmes en fait, le très chaud et le très froid. Mais celle qui vraiment m'étonne le plus, c'est celle-ci. C'est ma Kalanchoe qui était toute petite quand je l'ai mise dehors, qui a triplé de volume. Mais vraiment, si vous vous souvenez de ce à quoi ressemblait, même je me plaignais qu'elle était un petit peu trop foncée, vous vous souvenez, bah, c'était celle-ci.
Et là, j'ai ici une... c'est quoi ton nom, toi? Une Tradescantia, mais je me souviens plus. Enfin, je vais vous mettre le nom, mais je me souviens jamais. Oreo, Oero, un truc comme ça. Je me souviens jamais vraiment de son nom. Qui est super jolie parce qu'elle a plusieurs espèces de couleurs comme ça. Elle est un peu verte, claire, avec un peu de jaune et un petit peu de violet. Enfin, j'aime vraiment trop et j'ai hâte qu'elle grandisse beaucoup plus. Je pense qu'elle va pas rester longtemps dans ce pot. Je pense que c'est juste un pot de passage. À mon avis, dans un mois, je la rempote. Alors, je voulais pas forcément parler de cette plante, mais mes coléus se portent très très bien. Je suis très contente. Celle-ci, il y a de fortes chances que je doive peut-être la rempoter. Je sais pas encore si je dois la rempoter, mais en tout cas, elle me montre pas de signe de faiblesse ou quoi que ce soit. Très jolie, elle est en train de me faire ses toutes premières fleurs. Donc, je suis très très contente. Et cette couleur intense là, c'est vraiment quelque chose. Pareil, celle-ci, je suis en stress. Où est-ce que je vais les mettre une fois à l'intérieur? Parce qu'il faut vraiment que je les mette dans un endroit ensoleillé, ainsi que la butylon, ainsi que les ficus. Ça va être très drôle. Donc, j'ai refait pousser le même coléus que l'an dernier. Vous savez, celui que j'ai perdu, parce que j'ai pas compris qu'en été, j'ai pas compris que à l'automne, justement, il fallait absolument que je la mette dans un endroit vraiment ensoleillé. J'ai fait l'erreur de la mettre dans un endroit un peu plus, on va dire, avec pas assez de soleil, tout simplement. Et elle m'en a voulu et elle m'a lâché. Je l'ai rempotée hier parce qu'elle était dans un pot qui était mais beaucoup trop petit, le pot que j'ai descendu là en début de vidéo, donc vous vous rendez compte. Et je l'ai rempotée dans l'ancien pot où il y avait ma Pachera, que j'ai rempotée aussi hier parce que le pot était beaucoup trop petit. Pareil, il n'y avait même plus de terreau. Quand je l'ai rempotée, il n'y avait même plus de terreau dedans. C'est une catastrophe. Et je savais depuis très longtemps que le pot était trop petit, mais je retardais toujours le moment du rempotage parce que le rempotage, c'est pas une activité que j'aime. Enfin, c'est une activité qui me saoule très vite, mais il faut le faire. Donc, quand j'ai des choses à rempoter, en général, je fais tout en même temps parce que c'est chiant, quoi. Par contre, j'oubliais de vous parler d'une plante qui est en fait dans le ficus ambellata. En fait, il y a une plante dans la plante. Enfin, il y a un pot dans le pot. Donc, j'ai oublié totalement de vous montrer. C'est cette plante-là qui s'appelle, je ne sais plus, on l'appelle aussi orchide cactus. Et c'est une plante que une amie m'a offerte. Et en fait, ben, bon là, cette feuille-là est un peu bizarre, mais en fait, elle n'a rien fait pendant très longtemps. Et depuis que je l'ai mise dehors, elle a eu une pousse, mais absolument incroyable. Je dis toujours incroyable, mais c'est parce que je n'ai pas d'autres termes pour exprimer à quel point je suis fascinée par la pousse des plantes à l'extérieur. C'est juste un climat qui leur fait du bien, quoi. C'est juste un climat qui est juste parfait pour elles. La chaleur plus... Ah, faut que je les arrose, hein, je me rends compte. Ouais, faut que j'arrose mes plantes là, un petit balcon. Plus l'humidité, c'est un combo parfait en fait pour les plantes. Et si vous avez un balcon, quoi que ce soit, même un petit balcon, franchement, mettez vos plantes dehors. Vous n'allez pas les reconnaître. Et puis, il faut aussi que je vous montre mon autre Tradescantia qui est dehors, qui a aussi une pousse. Je l'ai rempotée il n'y a pas longtemps. Elle est devenue énorme. Elle est devenue comme celle que j'avais, vous savez, il y a 2 ans. Qui était énorme aussi, qui était sur mon balcon, que j'avais vendu. J'avais juste gardé des boutures. Et ben, elle est devenue à peu près comme celle-là. Mais d'abord, avant toute chose, on va récupérer le jouet de Eve. Elles oublient tout le temps leur jouet dehors. Tout le temps. C'est tout le temps pareil, ces enfants-là. Hop. Regardez comment elle est devenue immense. Regardez ça, je l'ai remise dans un pot, là. Deux fois plus grand. Enfin, pas deux fois plus grand. Une taille plus grande. Plus grande. Et honnêtement, je pense que dans un mois, je vais devoir encore la remboter. Pourtant, il y a quand même un bel espace dans le pot. J'ai mis du terreau, je crois, à cette hauteur-là. Mais vu comment la plante grandit, et j'étais en train de me dire, mais pourquoi je l'avais vendue, cette plante, elle est magnifique. Je me souviens maintenant pourquoi je l'avais vendue. Parce que pareil, j'avais certainement un dilemme sur où est-ce que je vais la mettre. On va faire un truc d'ailleurs, avant qu'on rentre à l'intérieur et que je vous montre quelques autres plantes qui vont vraiment bien ou qui me surprennent ou qui... avec lesquelles je suis
on va dire desquelles je suis étonnée. On va mettre des petits cailloux sur celle-ci. Parce que vous me connaissez, moi j'aime pas la vue du terreau. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est très bizarre, mais je n'aime pas la vue du terreau. J'aime les plantes, mais j'aime pas quand c'est comme ça, vous savez, qu'il n'y a rien là entre... Enfin, qu'il n'y a rien là. Vous voyez, quand il n'y a rien là. Ça me plaît moyennement. Donc on va mettre ce petit caillou. Hop, ça va être mignon. Déjà, comment j'ai fermé ça, moi? D'ailleurs, il faut que j'arrose. Vous entendez ça? Waouh! Ça m'a fait sursauter. Oh, ça m'a fait trop peur. Faut pas me faire ça, hein, le ciel. Regardez-moi ça. C'est pas adorable comme ça? C'est beaucoup mieux que de voir le terreau, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose. Ça fait quelques temps que je ne les ai pas arrosés. Comme du coup les autres sont arrosés par la pluie, je ne me rends pas compte parce que celles-ci sont en dessous du parasol. Vous voyez, tout le temps. Le parasol est tout le temps ouvert. Et du coup, ben, elles n'ont pas du tout l'arrosage automatique des autres plantes. Donc, laissez-moi voir. Ok, on va... Hop, ça va retomber en bas. On va remettre un petit coup. Et puis, on va aller à l'intérieur avant qu'il nous pleuve dessus. Et... Hop. Et puis après, on terminera en bas. Voilà, ça. On terminera en bas. Je vous montrerai aussi quelques plantes dont j'ai envie de vous parler. Et puis, on va faire ça. Ah oui, je voulais pas forcément vous parler de mon ficus serrata parce que bon, il y a rien d'extraordinaire avec lui à part que bon, il va bien. Mais voilà ce que j'ai fait. Je vous en avais parlé que j'avais envie de créer en fait un système pour que le ficus ne retombe pas. Parce que vous vous souvenez que le ficus retombait totalement. C'était devenu un peu beaucoup courbé. Et du coup, j'ai accroché ça. Il y avait déjà un trou. Donc j'ai pas créé de trou, il y avait déjà un trou. J'ai mis cette espèce de crochet et je l'ai accroché avec du fil, vous appelez ça du fil transparent, c'est pas vraiment transparent. De loin vous le voyez pas, mais de près vous le voyez, mais c'est pas très grave. Pour que la plante soit un petit peu plus en hauteur, et je l'ai mise de toute façon sur un support déjà pour qu'elle soit plus en hauteur, pour que ça puisse dégager de l'espace à ce niveau-là en fait. Et bon bah écoutez, moi ça me va, on n'a pas contre jaune, c'est pas grave. Moi, ça me va, c'est vachement pratique, ça laisse beaucoup plus d'espace dans ce coin-là. Et voilà, les plantes ici se portent vraiment bien. Bon, vous avez déjà vu celle-ci du précédent épisode. Hein. Et d'ailleurs, toutes les boutures que j'ai faites, je vais vous les montrer, elles ont toutes pris. Donc, je vais pouvoir les mettre dans le pot dans pas très très longtemps. Et voilà ce que je vous disais, ma Zizi que je vais mettre dehors, je pense, l'année prochaine. Qui est vraiment en pleine forme, qui me fait plein de nouvelles feuilles partout. Elle est vraiment très très jolie, très heureuse. Et ouais, je pense qu'elle est prête pour aller dehors l'année prochaine. Ça va lui faire du bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière là parce que je crois qu'effectivement il va pleuvoir. J'ai ouvert les rideaux, ça nous fera peut-être un petit peu plus de lumière. Ma Pachyra a perdu beaucoup de... c'est même pas des feuilles, elle a perdu beaucoup de tiges. Parce que les enfants ont tendance à jouer autour et ça a cassé pas mal de tiges. Et en plus de ça, elle était hyper fragilisée parce qu'elle était dans le pot, vous savez, où il y a le coléus. Je l'ai rempotée hier dans ce pot qui est donc presque trois fois la taille du pot. Et franchement, quand je l'ai dépotée, je me suis dit, mais attends, j'aurais dû faire ça il y a genre deux mois. Il n'y avait pas un gramme de terreau dans le pot. C'était la catastrophe, la pauvre plante. Franchement, je m'ai vraiment fait du mal. J'ai vu qu'elle allait pas bien, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien qui poussait, j'ai vu qu'elle était vraiment fragilisée, que tout se cassait. Et je me suis dit, allez, je ferai ça plus tard. Et en fait, j'aurais dû faire ça il y a deux mois, même plus tôt que ça. Donc bon, elle n'a pas l'air d'aller trop mal. Moi, j'aime bien son esthétique comme ça, un peu plus épurée. D'ailleurs, il va falloir que je mette un support pour qu'elle soit un peu plus en hauteur, pour que les enfants arrêtent de foncer dedans quand elle joue.
Mais bon, voilà, souhaitez-lui un bon rétablissement parce que elle a souffert, la pauvre. Si vous vous souvenez bien, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur cette plante, une plante que j'aime beaucoup, donc c'est la tamaya qui a d'ailleurs énormément fleuri ce printemps et cet été, mais incroyable. Quasiment tous mes bégonias fleurissent l'été, mais jamais comme ça. Celle-ci, elle a fleuri pendant genre 2 mois. C'était un truc de dingue, là, cette dernière fleur, je pense. Et en fait, je voulais absolument vous faire la vidéo quand elle était vraiment bien fleurie. Sauf que on a eu de la famille qui était là. Oh, pardon, j'ai touché le micro. Je fais tout le temps ça, désolée. On a eu de la famille, enfin, on a eu de la famille, on a eu ma soeur et ses enfants. C'était génial, ils sont restés 3 semaines. Et je vous avoue que pendant ces 3 semaines, moi, j'ai pas pensé à faire de vidéos de plantes, j'ai pas pensé à faire ci, j'ai pas pensé à faire ça. Et du coup, bah, il y a quasiment plus de fleurs. Et donc, je me vois pas vous faire la vidéo sur cette plante avec la moitié des fleurs qui sont en train enfin, qui sont sur leur fin de vie. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les fleurs mourir, tout simplement. Je vais attendre que la plante soit dans son état hivernal. Et là, je vous ferai la vidéo et je vous expliquerai comment faire pour avoir des fleurs, comment faire pour faire en sorte que les fleurs restent longtemps et tout ça. Et tout ça, peut-être que ça fera un petit peu plus de sens. Et du coup, au lieu de vous faire une première vidéo focus sur cette vidéo-là, je la ferai plutôt sur la Monstera Peyrou qui était donc numéro 2 sur le sondage. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Mais en tout cas, du coup, je ne vais pas vous mettre de photos de cette plante avec toutes les fleurs, parce que je vais la garder pour la vidéo. Mais en tout cas, là, maintenant, vous voyez déjà comment elle est. Alors, vous vous souvenez de ce que j'avais utilisé comme support pour ma Burly Marks, qui était donc le support de tomates. J'en avais un deuxième que j'ai séparé en deux. J'ai mis une partie dans mon bégonia, et j'ai mis la deuxième partie dans... C'est quoi la deuxième partie? J'ai mis dans quoi? Dans mon syngonium, mon mélange de syngonium Morito et Albo. Et c'est parfait. Franchement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant. C'est un support, franchement, parfait pour ce genre de plante qui retombe comme ça. C'est incroyable. Bon, vous voyez là, toutes les fleurs. À chaque fois que je touche, il y a des fleurs qui tombent. C'est vraiment la fin de vie des fleurs. Hein. Bon, on se retrouve dans la salle à manger. Il y a les filles qui regardent des dessins animés, donc vous risquez d'entendre un petit peu quelques bruits de dessins animés, mais bon, c'est mieux que de les entendre hurler. Je vous dis tout de suite. En plus, elles sont en pleine forme aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, Grace retourne à l'école dans quelques jours. Ça va me faire bizarre, mais c'est très bien pour elle. Et puis, ça va me faire... retomber un petit peu la pression parce que les deux ensemble tout le temps, c'est quelque chose. Bref, je voulais vous montrer le vase, le fameux vase. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais tout a pris, tout a raciné. Regardez-moi ça, tout a raciné. Et du coup, vous avez un mélange donc de Burly Marks, Morito. Est-ce qu'il y a de l'albo ici? Est-ce qu'il y a de l'albo? Je vois pas bien. Je crois que j'ai bouturé que des mojitos, hein. Non, Albo. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de variegation, mais il y a aussi de l'Albo. Celle-ci, c'est une Albo aussi. Oui, voilà, donc Albo aussi. Donc, il y a un peu des trois. Donc, je vais pouvoir tout remettre dans leur pot respectif. Voilà, mais ça m'a fait un petit vase. Je trouvais ça sympa, l'idée de bouturer plusieurs plantes, de mettre ça dans un joli vase et de mettre ça comme un bouquet au milieu de la salle à manger. Moi, je trouve ça plutôt cool. Je veux, là, c'est la catastrophe aujourd'hui. Je me rends compte de ça 30 minutes après avoir commencé à filmer, vous savez. Mais oui, j'aime bien. J'aime bien. Puis moi, vous savez que j'ai eu des plantes en hydro avant. J'aime vraiment la vue des racines dans l'eau. Je trouve ça absolument magnifique. Donc, ça ne me dérange pas. Et là, elles sont prêtes. Je pourrais faire ça aujourd'hui, mais je ne le ferai pas parce que flemme. Mais quand j'aurai moins la flemme, je le ferai. Je vous promets pas de le faire en vidéo, je risque de le faire entre deux trucs vite fait. Alors, regardez-moi ça, j'ai eu ma toute première feuille qui a poussé de cette bouture de Monstera, Deliciosa. Vous vous souvenez, c'est une bouture que j'avais eue sur Facebook Marketplace. Je l'ai mise en pot, enfin je l'ai mise dans l'eau d'abord parce qu'il n'y avait pas de racines. Je l'ai laissée raciner, ensuite je l'ai mise en pot. Et du coup, c'est la toute première feuille qu'elle me fait, à part les 3 feuilles qui étaient déjà là. Et je suis aux anges parce que regardez-moi cette feuille comme elle est jolie.
Bon, vous voyez qu'elle est toute neuve, elle est vraiment verte, très très claire, elle a l'air encore un petit peu fragile. Trop mignonne, je ne m'attendais pas à ce que la première feuille soit comme ça, parce que j'ai déjà eu des grosses boutures de Monstera comme ça, et la première feuille était minuscule, elle n'avait même pas de comment dire, d'aération, là, je ne sais pas comment on appelle ça, je crois qu'on dit aération, je ne sais pas trop, mais elle n'avait même pas ça. Donc quand j'ai vu ça, j'étais aux anges. J'ai hâte d'avoir des nouvelles feuilles, je pense que je fais quelque chose de bien. Parce que bon, si ma toute première feuille ressemble à ça, c'est que j'ai fait quelque chose de bien. Voilà le micmac donc que j'ai fait avec le syngonium. Et donc là, je vais rajouter toutes les feuilles. Ça va être encore plus fourni. Ça va être très, très joli. Et ce coin, il est vraiment trop mignon. Mais il ne va pas du tout rester comme ça. Parce que ce coin qui est juste en face de la fenêtre, qui est orienté sud-est, si je ne... Je pense que c'est sud-est. C'est parfait pour les ficus, les coléus, tout ça. Donc, il y a de fortes chances que toutes ces grosses plantes viennent ici. Et celle-ci, oh, déménage. je ne sais pas encore où. Celle-ci risque d'aller en bas. Celle-ci risque d'aller sur le bord de fenêtre du salon où il n'y a quasiment plus rien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient là que j'ai données. Ou alors qui sont dehors. Et celle-ci, je ne sais pas encore parce que c'est... une de ces plantes qui, pour l'instant, elle est encore, elle est pas très grande, vous savez, c'est la bouture de ma Florida, mais c'est pas une plante qui a besoin d'énormément de lumière non plus. Donc je sais pas encore, je me tâte. Et regardez-moi ça, vous vous souvenez de ma lemon meringue, ma manjula que j'avais donc mis ensemble et que j'avais mis dans le même pot. Regardez comme c'est mignon. Il y a de fortes chances que je mette ça dans ma chambre, sur ma table de chevet, parce que c'est vraiment trop mignon. J'ai même pas envie que ça grandisse plus, j'ai juste envie que ça reste comme ça. Regardez-moi ça, c'est pas merveilleux? Alors, je voulais vous faire un petit point sur ma Gloriosum. Attends, je vais prendre le bas avec. Sur ma Gloriosum. Parce que, vous savez, j'ai déjà eu une Gloriosum et c'est une plante que j'aime beaucoup. C'est une plante que je rêvais d'avoir à nouveau parce que mes deux premiers essais avaient été infructueux et que je savais que c'était moi qui avais déconné. Que je m'étais peut-être pas assez renseignée. Vous savez, c'est une de ces plantes où vous souhaitez la voir, vous vous dites c'est une plante magnifique, vous la voyez partout, mais vous prenez pas assez le temps de vous renseigner parce que vous pensez connaître les philodendrons, parce que vous en avez plein et qui sont certainement tous pareils. Bah, pas du tout. Donc moi, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas sur la Gloriosum et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et là, quand je l'ai rachetée, donc au même événement où c'était donc un particulier qui vendait ces plantes, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai posé beaucoup de questions et les réponses que j'ai eues, je me suis dit, ah ouais, d'accord, il n'y avait aucune chance que cette plante survive avec moi parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai bien fait de poser des questions. Et ce que j'ai retenu sur cette plante, c'est que premièrement, il ne faut surtout pas la mettre en face d'une fenêtre. Alors, vous allez me dire, mais en face d'une fenêtre? Non, en fait, elle n'est pas vraiment en face de la fenêtre, elle est là. Elle est sur le côté de la fenêtre. Et donc, ce qu'elle aime bien, en fait, la Gloriosum, c'est être près d'une source de lumière, mais pas en face de la source de lumière. Peu importe l'orientation, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu et pour le moment, tout va bien. Ça doit faire maintenant plus d'un mois que j'ai cette plante et elle va bien. Deuxième chose, il faut vraiment, et dans son cas, c'est important, vraiment laisser le terreau sécher avant de réarroser. Bon, réarroser, ça ne se dit pas. Arroser à nouveau, bref, mais compris. Troisième chose, et alors là c'est un truc que je n'aurais jamais su, et encore une fois c'est un conseil qu'on m'a donné, peut-être que c'est pas une obligation, mais moi je suis les conseils et pour le moment tout va bien. Ne pas utiliser l'eau du robinet pour cette plante, parce que moi j'utilise l'eau du robinet pour les autres. Notre eau du robinet on la boit, alors on a une Brita dans le frigo, parce que moi j'aime l'eau froide, si c'est pas froid je bois pas, et on a un autre filtre sur le plan de travail, ok, pour toute la famille, qui est beaucoup plus gros, voilà, avec de l'eau à température ambiante.
J'utilise de l'eau filtrée pour celle-ci. Quand j'ai de l'eau déminéralisée, j'utilise l'eau déminéralisée. Quand j'en ai pas, j'utilise de l'eau filtrée. C'est la seule plante pour laquelle j'utilise de l'eau filtrée, donc c'est pas très grave, j'arrose pas non plus tous les jours, ça va. Si je devais le faire pour toutes les plantes, ça me saoulerait, mais puisque je ne le fais que pour une seule, ça passe. Ok. Moi, je suis les conseils qu'on donne. Si ça se trouve, vous avez un philodendron gloriosum et vous ne faites pas du tout ça et tout va bien. Peut-être que dans l'environnement dans lequel je suis, parce que la personne qui me l'a vendu vit dans le coin, dans le Massachusetts, peut-être que c'est nécessaire. Écoutez, si les conseils fonctionnent, moi je recommande les conseils qu'on me donne. Alors de l'autre côté, vraiment côté jardin du coup, la luminosité n'est pas la meilleure, surtout que je vous ai dit, il va pleuvoir je pense. J'ai cette plante là, qui est donc la plante de mon mari, vous savez, mon palmier qui est le seul qui survit. Écoutez, ce palmier, je l'ai mis dans un pot en plastique, parce que vous vous souvenez, avant il était dans un pot en terre cuite et en fait, il fallait que je l'arrose tout le temps, c'était insupportable. Donc là, depuis que j'ai mis dans un pot en plastique, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins besoin de l'arroser, tout va bien. Et ce qui est cool avec ce pot là, c'est que ça garde l'eau en bas. Et que du coup, ça sert en quelque sorte, j'ai bien dit en quelque sorte, de pot à réserve d'eau. Pas tout à fait, mais presque. Donc, c'est très pratique. Et cette plante, elle est très contente ici parce que l'humidité, je le répète tout le temps, mais aussi parce que la lumière n'est pas trop forte. Là, on est vraiment côté nord, vraiment le même côté que le balcon en fait. Et elle est très heureuse, regardez comment elle s'épanouit, vraiment très très bien. Il y a eu quelques feuilles marron à un moment donné que j'ai taillées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je voulais donner vraiment de l'intimité à ma sœur quand elle est venue passer des vacances ici, j'ai retiré cette plante et je l'ai mise dans la buanderie pour qu'elle puisse fermer les volets facilement quand elle allait se coucher le soir parce qu'elle dormait ici. Et en fait, je ne les ferme jamais, moi. Et en fait, avec les longues feuilles, là, les longues tiges, c'est pas pratique du tout de fermer, ouvrir, monter, descendre. Parce que vous voyez, les volets sont ouverts tout le temps. Je ne les ferme pas. Je ne les ferme pas, ou alors je les ferme à moitié quand il y a vraiment trop de soleil et que je passe du temps en bas et que pour moi, c'est trop ensoleillé ou quoi que ce soit. Ou que je filme une vidéo. Mais cela dit... J'évite de les fermer pour justement que ça n'embête pas la plante. Et voilà. Voilà, elle est très heureuse. Elle se porte très, très bien. Moi, je suis très contente de cette plante. C'est mon seul palmier de toute ma vie qui a survécu. Donc, je suis contente. Ensuite, ici, on a... donc, ces deux-là sont des boutures de ma jade qui doivent aller à une copine. Donc, c'est même pas pour moi, mais je les garde parce que, bon, je les ai bouturées. Et puis... Celle-ci, c'est... Ah oui, alors celle-ci, qu'on en parle. Qu'on en parle, d'ailleurs, elle va aller dans ma chambre, je pense. C'est... pareil, c'est une copine à moi qui m'a donné cette alocasia. Alors, toi, c'est quoi ton nom? Stingray. Et elle était normalement en semi-hydro, mais je me suis dit, qui t'a tenté? Tentons. Tentons d'avoir une alocasia en terre. Donc, j'ai mise en terre. Dans un pot en plastique pour justement qu'elle reste quand même humide, enfin qu'elle garde l'humidité plus longtemps et que le terreau ne s'assèche pas trop rapidement. Et je l'ai laissé ici en attendant pour voir ce que ça donne. Et franchement, je me suis dit, c'est une expérience, c'est qui tout double. Et là, elle me fait une nouvelle feuille. Donc, ça veut dire que pour le moment, ça va. Ça va. C'est une expérience. Hein. Je vous avais dit la dernière fois... Vous ne me verrez jamais avoir une alocasia en terre. Bon, écoutez, on dit jamais, jamais. Et enfin, la toute dernière plante qui est juste là, si j'arrive à l'attraper. Attendez. Voilà, c'est donc la McDowell. McDowell qui, écoutez, me semble pas en super forme. Mais, elle me fait une nouvelle feuille. Haha. Donc... Peut-être que je me rends compte qu'il y a un miroir et que vous allez certainement voir la caméra et tout. Mais bon, c'est pas grave. Vous connaissez, hein, YouTube, on connaît tous. Donc voilà, je pense que celle-ci, je vais la couper.
je pense que je vais la couper et que je vais, une fois que celle-ci est bien sortie, je vais couper celle-là. Pourquoi? Parce que déjà, elle est tordue, puis elle n'est pas, regardez, elle est pas très très belle. Et donc voilà, vali-vali. On en a terminé avec l'état global des plantes qui se portent bien, qui grandissent bien. Le but, c'était pas de vous faire un plan de tour. D'ailleurs, je vous ai pas montré les plantes de ma chambre ou quoi que ce soit. Pourquoi je vous parle? Attendez, je vais regarder dans les yeux quand même. Oui, voilà, je disais donc le but, c'était pas de vous faire un plan de tour. C'est juste de vous montrer comment certaines des plantes vont et surtout celles qui poussent vraiment bien ou celles qui étaient un petit peu en difficulté dernièrement. Là, je suis vraiment en plein process de m'occuper de tout ce qui est scolaire pour Grace, switcher leur garde-robe, regarder ce qui va, ce qui va plus, refaire un tri pour faire un don. Je suis vraiment dans toutes ces choses-là, donc c'est vrai que je fais un petit peu moins attention à mes plantes. J'ai aussi beaucoup, beaucoup de choses à faire dans mon jardin. J'ai beaucoup, beaucoup de projets pour l'année prochaine. Ou même pas l'année prochaine, juste pour cet hiver, là, pour l'automne-hiver. Et je commence doucement à me remettre un petit peu sur tout ce qui est décoration de la maison. Et d'ailleurs, j'ai envie de terminer ma chambre. J'ai vraiment très envie de terminer ma chambre. J'ai envie d'acheter un tapis pour ma chambre. J'ai envie de peindre mes tables de chevet. J'ai acheté des nouvelles tables de chevet parce qu'on a fini par donner nos tables de chevet aux filles. J'ai acheté des nouvelles tables de chevet qui sont très jolies et tout. Je les ai montées. Vous savez que moi, j'adore le montage des meubles. Moi, franchement, je crois que dans une autre vie, j'étais monteuse de meubles pour Ikea ou je ne sais quoi. J'adore monter les meubles. Vous me donnez un manuel de montage de meubles. Donnez-moi le meuble le plus difficile à monter. Je suis heureuse. C'est vraiment très bizarre, mais voilà. Et donc, j'ai fait ça tranquillou en écoutant un peu de musique et tout. Et en fait, je savais déjà quand j'avais acheté ces meubles-là que j'aimais le design, mais j'aimais pas la couleur. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis débarrassée de ceux qui étaient dans notre chambre, parce qu'ils étaient blancs et que j'aime pas les tables de chevet blanches. J'avais envie d'une autre couleur. Et donc, peut-être que vous pourrez m'aider à choisir quelle couleur les peindre. Je suis vraiment en train de prospecter tout ce dont j'ai besoin pour la chambre. Comme ça, quand je fais la vidéo, je finis toute la chambre. Et moi, ça va me faire plaisir parce que c'est quand même ma chambre à coucher. J'aimerais bien qu'elle soit terminée un jour. J'aimerais bien qu'elle ressemble vraiment à ce que j'avais en tête. Et j'espère aussi pouvoir créer de moi-même une tête de lit. Parce qu'il n'y a pas de tête de lit dans notre chambre. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais j'ai envie d'avoir une tête de lit maintenant. Donc, bon. En fait, il y a plein de petites choses que j'ai envie de faire. Ce n'est pas des grosses choses, pas des gros travaux. Le plus gros des travaux qui a été fait dans cette chambre, c'est la peinture que j'ai déjà faite. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je pense qu'on va un peu bosser dans la prochaine vidéo qu'on fera ensemble, qu'on va un petit peu suer et que vous suerez avec moi par procuration. À très vite, bye !